Yo, salut à tous, c'est Mister Aka. Aujourd'hui on se retrouve sur Watch 10, donc pour continuer la partie, mais cette partie risque d'être très 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 rapide vu que le chapitre 7, je pense que ça se passe que comme le chapitre 5, donc que dans le truc hein, où on devra trouver quelques petits trucs, je ne sais pas quoi parce que là je vois que tout est verrouillé, donc je vais monter en haut, je vais voir si je peux encore dormir et gagner pourquoi pas. Un truc de soin ou un truc bonus, mais je vois que tout le monde est en train de faire des cochonneries. Bon, est-ce que je peux dormir et gagner quelque chose? On va voir tout de suite. Une petite musique, après je sais pas si vous l'entendez. Mais ça fait tananana, tananana, nananer, ou nanana. Et dans le chapitre 6 aussi, j'avais oublié de vous dire, mais il y a quelque chose qui est caché derrière ça, et pour ça, faut faire le tour, je ne sais plus par où, mais faut faire le tour. On va essayer de retenter le mode cauchemar, si je peux. Ok, donc je pense que je peux. Ouais, je peux. Moi, je vais aller en mode à l'arrache, hein. Je vous cache pas que. Je vous cache pas que. Hop là, caché. Hop là. Hey. Je ramasse la santé, la vie, tout ce qu'on veut. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul mec, mais j'ai que derrière cette porte, donc ça va. Ils peuvent pas ouvrir les portes. Toujours un peu de vie, je suis à 10. Bon allez, j'ouvre la porte, je liquide. Voilà, on essaie de garder un maximum de. Là, il y aura deux mecs si mes souvenirs sont bons. Voilà, ça c'est fait. Hop, on va récupérer un maximum de choses. Là-bas, il y avait un mec. Ici, je sais pas ce qu'il y a. Oh, il y a deux mecs. On recharge, recharge, recharge. Yes. On va avancer, on va continuer d'avancer, on va se méfier. Oh. Putain, je croyais que c'était un méchant. Ça se trouve, c'en est un. On va voir s'il y en a. Hey! Ah, je me méfie, hein. Ça va, a priori, il n'y en a que deux par pièce. Et ils peuvent pas ouvrir les portes. C'est la technique. Oh, je crois qu'il y en a un autre. Il est derrière la porte. Wow, mais ils sont nombreux là! Je vais mourir! Non, je suis mort! Ah, ils étaient trop nombreux là! Oh, mais je suis allé plus loin que la dernière fois quand même. Tant pis. Tant pis, mais c'était cool, c'était cool, c'était cool, mais tant pis, oh, c'est dommage, c'est dommage. Bon, allez, on va se rattamer un peu la gueule. Hop, voilà, je trouve toujours rien, donc je vais aider ma belle Anna. Ou je sais plus comment elle s'appelle en fait. C'est sa meuf, mais il sait même plus comment elle s'appelle, quoi. Oh là là. Bon, allez, je t'aide. J'ai trouvé des pistes intéressantes. Ces Ok, c'est parchemins cool. expliquent comment fabriquer un super béton. Tu crois que c'est ce que les nazis ont utilisé pour construire toutes ces atrocités en béton? Ouais. Peut-être. Même ce bâtiment. Ils n'utilisent que ce type de béton.
C'est pour cette raison qu'ils ont pu bâtir toutes ces villes si vite. Maintenant que l'origine du béton est établie, j'aurais besoin d'un échantillon pour l'étudier. Mais t'en as partout, t'as dit que tout était... Tu pourrais chercher un morceau de béton sur lequel de la moisissure s'est développée. Si tu veux pouvoir prélever un échantillon, il faut qu'il soit bien poreux. Tout ce que tu voudras. Et au fait, ok, bien pour eux. Il y avait une liste cryptée des membres de Daat Yishud qui étaient en Pologne pendant la guerre. Je voudrais la comparer avec les registres officiels allemands des citoyens juifs. Et ok. En particulier entre les années 1939 et 1945. Ouais, pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Je m'en occupe tout de suite. Attends, une dernière chose. Oh là là. Un petit bisou. Je suis enceinte. Ah non, d'accord, un bisou. Oh oui, vas-y, baisse-moi. Ça sera tout. Tu peux y aller. Ça y est, ça lui a remonté le moral. Ah, il est content là. Oh, il est content, il est en train de bander comme jamais là. Allez, hop, j'ai trouvé une lettre. Maintenant, je dois tout trouver. Et même un morceau de béton bien moisi. Donc, c'est parti, je vais chercher ça. On va chercher ça ensemble. Non, j'ai cru que ça brillait. Alors, tu sais quoi? Alors, on va faire ça. On va aller dans... Non, c'est pas là-dedans. On va aller là-dedans. Oh. Alors, il y a un truc archive. Je vais aller dans archive. Je vais... Faut pas lui parler à elle, tel cas. Faut pas passer par un endroit top secret. Non. Pourquoi tu te marres? Idiot. Je te tape ou quoi? Oh, faut que je trouve Fergus Reed. Oh. Oh. C'est nouveau, ça. C'est tout nouveau. C'est tout frais, tout nouveau. Et... On regarde la map. Non. Faut pas... Bon, il doit y avoir des trucs à trouver. On va essayer de les trouver. Ah oui, c'est vrai. On a débloqué le hangar. J'ai zappé. Oh là là. On dirait pas Fallout. On dirait pas la porte de Fallout. La grosse porte blindée de bâtard. On a les hélicoptères, on peut monter là, non, l'hélicoptère il est fermé maintenant, ils ont mis des portes. Voilà. Bon, on va fouiner un petit peu avant d'aller leur parler, hein, même si c'est quand tu leur parles que tu débloques des choses. Bon bah, on va leur parler en fait. Ah non, un morceau de... Je peux pas leur parler? Au moins... Ouais, je vais bien. Sacré chute, monsieur Trompe-la-Mort. T'es dans les égouts maintenant. Tu pourras retrouver ton chemin après avoir jeté un œil, hein? Bon. J'ai quoi comme flingue? Ok, j'ai que ça. Donc un découpeur plasma, je pense qu'il va y avoir des rats. On regarde vite fait la carte, il y a un petit logo, mais je vois rien de ce particulier. Tiens, il y a une boîte là. Est-ce que je... Attends, je suis en mode... Non. Voilà. Non, je peux rien faire, je peux rien faire. Oh, on se calme là. Leur mitrailleuse automatisée là. Bordel. Crotten équipant. Flash gang. Hop. Non, oula. À chaque fois je me gourre. Je peux rien ouvrir, je peux rien prendre. Ah, je peux recharger quand même mon jouet. Ça fait plaisir. Oh. Oh là, s'il y a quelque chose à trouver, je l'ai sûrement passé. Non. Si je vois... Hop là, ça c'est pour moi un petit disque vinyle. Alors là, il n'y a rien qui me signe de bon présage. Attends. Ouais, il me reste juste le truc en or à trouver en fait. J'avais pas vu, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de choses que ça. Mais alors là, s'il y a un truc en or à trouver... Par là, parce que là-bas j'avais une petite boîte là qui brillait. Je suis bien curieux de savoir ce que c'est.
J'ai bien fait d'aller fouiller, hein. C'est pour. Je peux faire des ricochets, mais comment je peux faire des ricochets? Ah ouais! Merde. Bon, hein, ça m'énerve. Hey, c'est con, hein? Je suis en train de jouer avec vous. Ok, je me suis débarrassé de ces robots. Une petite trousse de soins, mais c'est pas la trousse de soins qu'il me faut. Bon, c'est des bastos. Et quoi, je parie qu'il faut sauter, mais non, faut pas, sinon en fait non. Ah si, faut sauter parce qu'il y a un petit passage par là. Mais avant ça, hein, on va fouiller partout parce que si je saute et que je meurs, voilà, je serai un peu dégoûté. Putain, il y a des trucs partout. Oh, j'ai envie d'aller voir partout, 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 partout. Alors, où je suis? Parce que là, s'ils me disent que c'est par là qu'il faut aller, je vais faire complètement l'inverse, je vais pas y aller. Monter là-haut. Je vais voir ce qu'il y a là-haut avant et on verra. Parce que je suis troublé. Non, mais moi je veux des bastos. Par contre, il est beau le fusil. Hein. Wow, mais je vais même pas ouvrir les portes. Il y a quoi là-bas? Là, c'est bizarre, là, comme là où je vais. Ah, je suis revenu ici. Oui, mais non, alors du coup, je vais continuer à. Elle est où, là? Elle est où, échelle? Comment je descends? Je vais continuer à avancer au loin. Parce que si c'est pour revenir après. Je pouvais continuer à avancer. S'ouvre de l'autre côté. S'ouvre de l'autre. Ok, et comment j'y passe de l'autre côté? Je sais comment j'y passe de l'autre côté, mais. L'opération a l'air périlleuse, donc souhaitez-moi malchance. Ouh, j'ai réussi. Je savais bien qu'on pouvait passer par là. En fait, c'est juste, y a rien à faire quoi ici. En fait, y a rien ici. C'est bizarre quand même que. Et c'est bizarre quand même que. Hein? S'il y a rien. Il doit y avoir le truc en or. C'est sûr que le truc en or il est par là. Bah ouais, je passe devant. Allez, j'ai trouvé le truc en or. Bon, c'est bon, on peut faire tout le tour. On peut rentrer maintenant. Hein. Maintenant qu'on. Non! J'ai cru que j'allais tomber. Oh. Hop, on peut rentrer. Donc c'était par où? C'était par là. Ah bah ça y est! J'ai tout ce qu'il me faut. Salut, Klaus. Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon sang? Une expérience. Tu fais peur à Max. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Désolé, mon pote. Je savais pas qu'il craignait ça. Son fils? Non. Enfin, si on veut. En fait, je n'en sais rien. C'est quoi l'histoire?
Klaus avait un fils autrefois, qui était né durant la guerre, un miracle selon lui. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir un enfant, sa femme et lui. Ouais. Ok. Un nazi. Le problème, c'est que son enfant est né avec un pied bot. Bien entendu, Klaus savait ce que ça impliquait, et il a supplié les médecins de ne pas le dénoncer. Quand la police secrète est arrivée pour emmener le garçon, Klaus et sa femme ont tenté de leur résister. Sa femme est morte, elle a pris une balle dans la tête. Et l'enfant aussi. Klaus n'a pas réussi à les protéger. Il se sent responsable. Je crois bien. Ouais. Et il ne pourra jamais pardonner aux nazis. Bon. Allez, c'est parti. Au calme. Au début, il avait commencé ici comme main, et ça se termine là. J'ai héros, bah. J'aurais perdu. Ok, c'était dans les archives. Bon bah ça y est, j'ai tout, hein, j'ai tout, il n'y a plus rien à prendre, et bah je peux commencer à aller donner les joueurs à Max en premier, et après aller parler à Anya. Voilà, j'ai trouvé tous les jouets de Max. Je vais parler à Anya. Anya, viens, c'est ma puce. Celle qui me fait plein de bisous, là. Merci, William. Laisse-moi faire les analyses. Je crois que je tiens une piste. Je pense que c'est déjà fin de ce chapitre, je sais pas. On verra ça après la cinématique. T'en veux? C'est bon. C'est à la cerise. Non. C'est bon, merci. Le super béton. Le matériel de construction préféré du Reich, qui s'inspire de la technologie de la date Yeshu. Presque parfait, mais il développe des moisissures au fil du temps. Ouais, presque parfait. A modifié sa composition, quelqu'un qui connaît ses secrets. En analysant l'échantillon, j'ai trouvé une trace d'un type de calcaire qu'on ne trouve que dans le nord de la Croatie. Maintenant, regardez. Le nom de cette roche. Il apparaît à 3 reprises. Dans les documents de la Dalki Chud. C'est ça que c'est bon. Selon les registres officiels, il a été détenu en 41 dans le camp de Lodze, puis envoyé dans un camp de travail à Belica, dans le nord de la Croatie. C'est bon, c'est un super béton, mais comme il aime pas les nazis. Ce camp travaille dans une carrière et en extrait une roche calcaire qui sert à fabriquer le super béton. À mon avis, on peut le détruire. Dans ce camp, qu'on trouvera cette roche. Le seul survivant de la Dalki Chud. Le problème. C'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est un homme âgé, il est peut-être même déjà mort. Nous ne pouvons pas attaquer un camp de cette taille et espérer mettre la main sur lui avant que toute l'armée nazie nous tombe dessus. T'inquiète. Pas le choix. Quelqu'un va devoir infiltrer le camp. Et comme par hasard, c'est moi. Un volontaire? Tu t'en sens capable, Blaskovic? Blaskovic. Et voilà. Bah, c'est pas la fin encore. Personne n'est jamais prêt à vivre un truc pareil. Ouais, yo. Oh putain, y'a la meuf. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle le tient, style, il est impur. Et voilà, c'est déjà la fin du chapitre 7 et on se retrouve très vite sur cet écran pour le chapitre 8. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Allez, tchou !